ou même qui a pu tendre nous là, ou capable tout chercher verset ou chercher le livre. Et écoutez que nous pouvons le faire prier à ça, à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Proverbe, chapitre 3, n'appli dans verset 1er, pour arriver dans verset 24, à la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 1er, pour arriver dans verset, alléluia, gloire, maintenant, verset 1er, pour arriver dans verset 24, à la gloire de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honorer l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Verset 17, ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Verset 23. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Et verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Parole du Seigneur. Amen. Bon Dieu béni ou, nous-mêmes qui t'appelons, qui a tant de prières, partage de prières, ça y est. Amen, que nous avons fait ensemble avec chaque frère et soeur, amis dans le Seigneur, que nous saluons dans la minute ça, et dans la présence de Dieu, nous avons chanté ensemble, nous avons fait lecture ensemble dans Proverbe chapitre 3, nous lisons dans verset 1 pour arriver dans verset 24. Et le titre que bon Dieu a adressé nous dans verset ça, c'est concernant, l'ingénieur nous a dit, et les terreurs du temps. Les terreurs du temps renversées. C'est ça que bon j'étais ban nous comme inspiration dans prière n'a fait dans 5 mai coronavirus ça, c'est les terreurs du temps renversées. Alléluia. Et dans proverbe nous t'a appelé tout à l'heure, nous t'a appris comment bon Dieu t'a bien instruit nous et concernant les terreurs du temps renversées. Et nous connaissons que dans le livre de Proverbes, eh bien, nous retrouvons beaucoup de conseils. Et parmi lesquels,
eh bien, nous joindre avec conseil que nous t'as partagé tout à l'heure. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 3, que nous t'as lu tout à l'heure là. Et que le Seigneur lui-même t'a adressé nous. Et il t'a, eh bien, instruit nous concernant les difficultés, concernant et les empêchements du temps actuel, concernant les terreurs du temps renversé. Et lecture que nous faisons, et Dieu t'a adressé avec, avec ses fils. Et c'est pour me dire que vous-même qui attendez nous là tous ces petits bon Dieu, et pas seulement une créature, ou pas seulement une créature, bon Dieu, pas seulement un créateur pour vous. Amen. À travers de prière ça, nous parlons, bon Dieu, seulement un créateur pour vous, nous parlons vous-même ou seulement une créature. Amen. De bon Dieu, mais nous voulons que vous capable de venir un petit bon Dieu et que bon Dieu capable de venir papa. Amen. Et que Dieu, lorsque Dieu c'est papa, il agit en responsabilité car la Bible nous dit qu'il est un Dieu responsable. Donc la responsabilité de Dieu lui-même lui permet que lorsque nous sommes en difficulté, lui permet que lorsque nous sommes en problème, nous sommes en épreuve amère, eh bien, il agit, amen, il fait apparition, amen, il entre, eh bien, en action. Lorsque nous invoquons, lorsque nous appliquons Philippiens 4, le verset 6, qui dit qu'on est capable de prier en toutes choses, nous faites connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, si nous supplions, si nous supplions, bon Dieu, dans la minute ça, si nous supplions le Seigneur dans la minute ça, c'est pour nous capable de chercher sa face, chercher sa direction, chercher sa présence. Eh bien, Dieu l'a adressé ensemble avec nous dans Proverbes chapitre 3, en tant que petite lit, pas en tant que créature. Amen. Nous même n'attendons de voir bon Dieu en tant que papa nous, pas en tant que créateur, que bon Dieu lui-même l'a dirigé la vie nous et l'a façonné nous. Amen. Dans partie que n'a poté bali dans ça que lui-même lui relé nous pour nous faire et pour nous tendre. Eh bien dit mon fils, puis ga oublié enseignement moi yo. Et que ton cœur garde mes préceptes. Première partie ça, nous capable faire allusion avec lui dans lorsque nous songeons Josué, après que et Moïse, amen, après que Moïse t'ait fini passer toute, eh bien, et démarche, bon Dieu t'a fait ensemble avec toute route, bon Dieu t'a fait ensemble avec Moïse, c'était Josué qui était venu remplacer, eh bien, Moïse. Et lors que, dans minute ça, peut-être où t'es gagné nous ensemble avec vous comme Moïse, amen. Il y a des situations à vivre, eh bien, où a besoin nous capable, où a besoin capable de nous en tant que Josué, bon Dieu bénis. Ou a besoin de nous pour Josué parce que des fois la voix de Moïse c'est lorsque nous qu'on réunit dans le temple surtout lorsque nous réunis ensemble nous entendons de la voix de Dieu à travers la voix de Moïse que c'est nous-mêmes qui c'est Moïse peuple bon Dieu choisi il y a qui a amen le sacerdoce royal là et bien c'est Moïse peuple ça que nous y est c'est Moïse la vie ou que bon Dieu mettait nous y est donc par contre et bien dans situation côté que y a n'a connecté nous ensemble avec ou dans prière ça yo et bien nous rivé joindre nous à travers Josué bon Dieu bénis. Et à travers Josué ça bon Dieu lui adressé en tant que petite lui bon Dieu pas adressé en tant que un étranger même j'ai tout monde qui nous allonger doit être sur où même j'en ai une situation pays côté que eh bien gagne en pile pays qui a traversé par des moments difficiles côté que pandémie l'a fait des ravages côté que eh bien et les terreurs lui-même il a fait des ravages aussi dans temps que nous qui marqué que la vie venait aujourd'hui à mais Dieu l'avait adressé Dieu veut les passer. Non seulement Dieu t'est passé déjà dans la vie, à travers Jésus, s'il pas passé à travers Jésus, il va le passer très bientôt. Et nous espérons que Dieu t'est passé dans la vie à travers Jésus qui était déjà tant d'élu. Et à travers Jésus, vous venez joindre nous comme Moïse. Et à travers Moïse, nous venons de voir le Seigneur à travers Proverbes chapitre 3, le verset premier qui dit que mon fils, amen, mon fils, en tant que Josué, amen, qui a adressé, amen, mon fils, il dit que puis a oublié enseignement mieux. Et le Josué t'a parlé dans partie ça à côté que t'a fait rappel pour nous pas oublier enseignement bon Dieu, c'est parce que le connaît que c'est enseignement bon Dieu qui a fait nous capable réussir. Ça fait que l'on a pensé nous pas penser peut-être pas nous seulement encore mais nous penser pour nous capable faire bon Dieu plaisir. Donc ça vient fait que l'important je ne jodi a pour nous capable pas penser avant mais nous capable inviter bon Dieu dans penser nous. Il est normal pour nous penser. Mais lorsque Dieu va nous, amen, va nous vue, va nous la claire, sa clairvoyance, lorsque bon Dieu va nous, eh bien, point de vue, lorsque bon Dieu lui-même va nous, eh bien, approbation, ça va permettre que nous sommes capables de sortir dans des difficultés
eh bien qui doit entourer nous. Donc c'est normal pour l'esprit bon Dieu capable toujours diriger nous lorsque nous étions dans la prière ensemble avec elle. Mais dans une minute ça peut-être que on doit dire précisément eh bien senti que eh bien ou te senti ou ta couillon yon peuple Israël qui était dans un désert. Amen, qui était dans un désert et dans prière ça que n'a réalisé pendant tout coronavirus ça yo. Donc t'as rien que ou pas senti ou dans désert encore. T'as rien que ou pas senti ou eh bien éloigné encore. Vraiment pas senti ou que ou en Égypte encore. Non, désormais, eh bien, ou appartient à mon Dieu. Désormais, ou c'est petit bon Dieu. Désormais, eh bien, bon Dieu lui-même, il est là pour le terrasser. Amen. Bon Dieu là pour le terrasser, pour l'enterrer, pour l'effondrer, pour le fouler en bas pile. Amen. Toute distance pour le diminuer. Yo. Amen. Tout espace pour le. Amen. Pour le diminuer. Yo. Parce que, pas oublier que nous observons bon Dieu qui est tout puissant. Nous observons bon Dieu, amen, qui est omniscient, qui est omnipotent. Eh bien, en tant que fils, bon Dieu adressé aujourd'hui, il a adressé une prière ça, mes prières COVID, coronavirus, la pandémie ça, il a adressé en tant que petit point, puis il a oublié enseignement mieux. Même Jean, dans Josué chapitre 1, le verset 8, il t'a dit que, eh bien, Josué t'a parlé, il t'a dit que, puis la parole ça, j'aime éloigner bouchou, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. T'as dit fortifie-toi dans verset 7 là, t'as dit fortifie-toi et prends courage. Et que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Alors, c'est alors que tu réussiras. Lorsque tu vas appliquer parole sale dans tout ce que tu feras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, t'as mis ça. Il est important. Même genre la bonté de l'Éternel n'est pas épuisé. Même genre les compassions de Dieu n'est pas prend fin yo, car les bontés de l'Éternel n'est pas épuisé. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pour compassion mon Dieu capable de renouveler dans la vie. C'est pour force mon Dieu capable de renouveler dans la vie. Et pendant que on a prié dans la saison de prière ça aussi pour courage ou capable augmenter. Peu importe situation que tu es vivre, peu importe situation ou t'es subi de votre situation, eh bien, ou t'as fait face carrière avec eux, ou t'as affronté, peu importe le moment qui a, eh bien, tiraillé, terrifié la vie ou, qui a terrassé la vie ou. Mais bon Dieu lui-même, c'est le grand terrasseur des situations difficiles. Et c'est le grand réparateur, alléluia, des brèches. Et c'est la seule solution à tous nos problèmes. Nous invitons bon Dieu dans la vie ou, en tant que papa, alléluia, et vous-même, en tant que petit. Ou capable de kembe rien de. Amen. Prière ça ensemble avec le Seigneur. Que Dieu capable de travailler dans la vie. Quel que l'on soit à côté où il est. Quel que l'on soit à côté que. Mais ou à connecter à prière ça. Yo. Bon Dieu lui-même. À travers. Eh bien. Jésus. Il est arrivé chez nous. À travers Moïse. Il est arrivé. Et fait nous promesse ça. Et qu'il l'a accompli. À travers Jésus. Eh bien. Je ne dis pas. Il a marché dans la vie. Nous. Il a adressé nous. En tant que yon Josué. Qui a parlé ensemble avec nous. Qui a rappelé nous. Nous voulons que Josué soit capable de toujours être dans l'esprit. Pendant la prière, nous voulons que Josué soit capable d'être dans l'esprit. Que Josué soit capable d'être dans l'esprit. Que soit capable de rappeler que nous ne sommes pas égarés. Nous voyons monde perdu. Nous voyons monde qui perd force. Nous voyons monde qui perd courage. Mais bon Dieu lui-même, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il renouvelle la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Nous espérons que bon Dieu est capable de conduire. Que bon Dieu est capable rapprochez-vous en tant que père et vous-même. Rapprochez-vous en tant que fils dans la prière. Que le Seigneur garde-vous et que toute terreur dans la vie nous déclare au nom de Jésus. Toute terreur dans la vie qui ne fait pas qu'à dormir. Toute terreur dans la vie qui ne fait pas gagner la paix. Toute terreur dans la vie qui ne fait pas gagner quiétude. Toute terreur dans la vie qui ne fait pas sentir à l'aise. Toute terreur dans la vie qui n'est pas paniquée. Nous renversons. N'entends ça. Alléluia. Nous avons renversé dans la prière. Malgré les problèmes, les difficultés, nous déclarons que toute terreur qui va vivre, toute qualité, quantité, toute longueur, largeur, grosseur, épaisseur, de tragédie qui va vivre, dans une minute ça, toute tragédie que vous êtes capable de tendre, que vous êtes capable de ouer, que vous êtes capable peut-être même vivre par la volonté de Dieu. Permissive, eh bien, au nom de Jésus, nous déclarons que nous terrassons, nous terraillons depuis ces problèmes qui sont dans la vie,
nous renverser depuis ces problèmes qui sont dans la vie. Et dans la minute ça, que bon Dieu est capable de renverser les problèmes qui sont dans la vie. Là. Que bon Dieu est capable de renverser la faiblesse, la foi qui est dans la vie. Là. Que bon Dieu est capable de renverser la faiblesse, la valeur que vous manquez peut-être dans la société. Là. Que bon Dieu est capable d'augmenter la valeur. Alléluia. Dans la prière. Que bon Dieu est capable d'augmenter la valeur. Utilité. Alléluia. Usage. Dans la prière. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu encourage. Nous embrasse. Nous saluons les familles. Et pas oublier. Dans l'occasion de prière, ça y est. Jeudi, c'était 5 mai. Nous avons prié dans la prière du coronavirus. Et nous déraillé, nous renversé. Nous châtier, nous terrifier. Nous engloutir. Toutes les terreurs. Ils ont renversé. Dans la vie. Toutes terreurs dans la vie, ils ont renversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Verset 17, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Verset 23. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas. Et verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Parole du Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci. Nous bénissons, nous exaltons, Seigneur, ou même qui va nous la vie, et même Jean. Bah, chaque monde, Seigneur, qui a entendu et recevoir la prière, Seigneur, que nous avons partagé. Et avec chacun de vous, même avec l'autre monde, Seigneur, qui mande nos prières, tout également, Seigneur. Nous levons devant, Seigneur Dieu, au qu'on nom, au qu'on la vie, au Seigneur, au qu'on est adresse, au qu'on est, Seigneur, eh bien, côté Seigneur Dieu, au situé, au qu'on est côté, Seigneur Dieu, en connexion ensemble avec nous, Seigneur, au capable Dieu Tout-Puissant, utiliser la vie, au percer dans la saison de prière, Seigneur. Dans le moment de prière, ça y est, Seigneur Dieu, vous capable de toucher la vie, au Seigneur Dieu, afin que vous capable, Seigneur, régénérer, afin que vous capable, Seigneur Dieu, eh bien, recevoir un courage, Seigneur Dieu, alléluia, qui sans mesure, capable de recevoir un courage, Seigneur Dieu, qui sautit dans vous-même, Seigneur Jésus. Nous bénissons, mon Dieu, merci, ou même qui c'est le Dieu Alpha, ou même qui c'est le Dieu l'Oméga, Seigneur Dieu, ou même qui c'est le commencement et la fin, ou même qui c'est le premier et le dernier, Seigneur, ou même qui c'est le rocher des ailes, Seigneur Dieu,